Est-ce que docteur Gilles était malade? Je ne sais pas, il était malade. Sur l'information, il a un problème prostate. Bon, il y a une source qui dit qu'il a un petit problème pour le respirer. Ok. Il était même allé gangoser avec lui, mais il semblait être retourné et Port-au-Prince avec lui. Selon l'information, puisque nous avons essayé de contacter le président du Sénat, Joseph Lambert, que nous n'étions pas capables de joindre. Mais après information, après elle vient confirmer côté, je fais quoi, c'est dans l'hôpital Saint-Luc, commune Tabar, lui est mouru. Là, on a parlé de écrivain, docteur Ronnie Gillot, ancien député, ancien ministre, secrétaire général, Sénat République Clan. Ronnie Gillot, c'est petite section communale Baudary, dans la commune Grand Gousier, département sud-est paysan. Lui, c'est médecin, chirurgien, politologue. Okay. Ronnie Gillot, c'est ancien député commune Grand Gousier, Tchot, en Sapit. Là, ça a été fait tous les trois communes, ça a fait seul. Donc, c'était une circonscription. C'était dans l'année 1973, arrivé 1986, puisque c'était sous Duvalier. Ça, c'était 73-86, donc c'est sous Duvalier, bah, jusqu'à Jean-Claude. Hein? Oui, jusqu'à Jean-Claude. Donc, c'était député. Oui, Jean-Claude. Net, allez, ok. Il est ancien ministre d'information et coordination, sorti 1978, arrivé 1979. Et je note Dilto, il est ancien secrétaire général adjoint Palais National sous présidence Joslem Privert. Il écrit plusieurs livres sous période Duvalier. Oui, plusieurs livres sous période Duvalier, mais tout après Duvalier, ça n'est pas capable de les postes Duvalier. Il écrit jusqu'à sous dernier président ça nous te connaît Jovenel Moïse les publié justement une quinzaine livres et qui sorti en plusieurs tomes tant coup série au gré de la mémoire au côté il écrit sous personnalité tant coup Leslie François Maniga ancien général Nafi Michel Martelly Yuri La Tortue Joseph Lambert avec ancien premier ministre Camille Gary Conny Ronnie Gillot est présent après appeler ça avec plusieurs livres il t'a passé dans 27e édition livre en folie qui était déroulé sous titre 31 mais arrivé 13 juin est passé par contre sous dit ça monsieur c'était un cadre dans le parlement oui sur l'état général et monsieur était bon passion pour période contemporaine dans l'écrit en pile livre, je nous signale li, sous poste Duvalier et côté li campé plusieurs personnalités moun pa fin connaît très bien quel j'aime dire li était présenté Nafi donc ancien général Nafi Leslie Maniga c'est sous Jovenel Moïse eh bien oui donc ça nous capable de dire de Dr. Gillot. Dr. Gillot, tout le monde connaît son encyclopédie vivante, donc qui pape Jean mourit, parce que même Jean-Lotte l'a dit, un homme n'est jamais mort quand sa mémoire vit dans celle des autres. Donc nous connaissons Dr. Gillot en mai dernier, il était sien, et Volupté sacrilège de l'autocratie. Et c'est un livre où jeunesse étudiantine haïtienne nan, yo même yo lil sérieusement qui gagne en pile bagay la dan sous pays a écoute une sortie comment on fait arriver là il était participé dans 27e édition livre en folie donc c'était un livre qui bat un record total capital dans vente li donc surtout dans période pandémie coronavirus là donc lui même quoi nous connaît c'est qu'on sale toujours habillé avec chemise voyez belle blanche li côté il était accueilli avec un sourire éclatant le côté que l'été où tu ouais la vie et la caille docteur Gillot donc en pile monde qui lit livre docteur Ronnie Gillot donc il était fait la queue pour être capable de gagner et ben dédicace dans main docteur là donc personne monde pas douter que je ne dis nous t'es capable de parler de docteur Gillot qui quittait qui prend des vies devant mais comme c'est comme ça la via lui-même lié. Docteur Gillot, médecin, chirurgien, politologue, enseignant. Docteur Ronnie Gillot, t'es un parcours sans pareil.
li fait dans Grand Gousier dans date 7 janvier 1941 li rentré dans Port-au-Prince à l'âge 5 ans côté yo té recevoir la caille ontante li donc c'est là yo té recevoir dans époque ça donc docteur Ronny Gillo d'après ça avec famille fait connait donc prêt yo té accueillir sérieusement frère petit séminaire pour les Martialio c'est là que li té l'école li entré l'école apostolique dans petit séminaire dans classe 6e mais dans classe 4e donc il pral perdit vocation li il était trouvé et côté que li vinn c'est idée médecine et donc qui vinn entrer dans tête li comme l'autre l'amour que il te gagne pour profession il pral nommé dans date 27 août 1966 médecin résident en chirurgie dans l'hôpital général dans Port-au-Prince et après il pral faire office professeur moniteur et sémiologie dans la faculté de médecine avec pharmacie université d'état pays d'Haïti après elle pral vin médecin de service en chirurgie dans l'hôpital université l'état d'Haïti sorti l'année 1969 guerrier pour arriver dans l'année 1982 Ronny Gillo t'est élu trois reprises et n'a pas rappelé pour toute jeune yo dans l'année 1973 mais puis 1986 député les saouté dit c'est ton député inamovible dans circonscription Tiot Grand Gousier avec Hans Apit ancien ministre coordination et de l'information sorti dans l'année 1979 rivé dans l'année 1979 mais il pas de chambre caché identité pas de chambre caché identité il a toujours dit que lycéen du valieriste qu'elle assume elle mais les pas en fanatique mais ils sont du valieriste dans l'âme donc dans plusieurs ouvrages li essayer porter et quelques éclairages sur période ça qui était très important pour histoire pays d'Haïti il a pas le vienne membre conseil national action Jean-Claude Konajek et puis Ronny Gillo il était membre assemblée nationale constituante qui était rédigé Constitution 27 août 1983. Docteur Gillo, c'était membre fondateur, secrétaire général Parti national progressiste l'année 1985. Ronny Gillo, t'es vice-président Parti national républicain PNR dans l'année 1993. Avant, t'es venu secrétaire général Parti Action démocratique pour bâtir Haïti à débat entre 2000 et 2004. Docteur Gillo sont témoins privilégiés, nous capables de dire comme ça, politique pays d'Haïti. Il était toujours à un titre ou bien à un autre, et giron politique là. Ancien consultant Conseil électoral provisoire, CEP, sorti l'année 2001, arrivé 2004. Il était conseiller politique et spécial président Sénat, 2001-2004. Puis dans l'année 2006, Ronny Gillo devient directeur cabinet. Président Chambre des députés pour période qui sortit 2006-2011. Par la suite, il va venir directeur cabinet Premier ministre Gary Conny, donc qui était consacré là. Nous songeons que dans la période ça, il était consacré un ouvrage dans l'année 2012, Guerrier sous songe. Mm-hmm, oui. Il était servi tout comme membre cabinet président Sénat dans l'année 2012 pour l'année 2014. Il était venu secrétaire général adjoint président Sénat pendant un an. En année 2016, et puis en avril 2014, Livine, secrétaire général Sénat haïtien. Qui ça nous a dit en plus sur Dr. Gillo? Dr. Gillo, c'est un citoyen qui est très actif, c'est un passionné également football. Il a été élu délégué Violette Athletic Club Guerrier dans l'année 1971 PRR. Il a venu être secrétaire général, trésorier, vice-président, président un peu plus tard. Donc, c'est lui-même qui était enseigné écologie dans l'Institut haïtien de santé communautaire. Donc, il était conseiller chambre commerce, industrie et profession sud-est d'Haïti. Il est un auteur à succès et très prolifique dans la langue française. Et politique, donc, qui nous lègue ouvrage de la collection Au gré de la mémoire, François Duvalier, Le mal-aimé, Au gré de la mémoire, Jean-Claude Duvalier.
il était parlé tout de l'ingénuité captive au gré de la mémoire. Jean-Claude Duvalier, la chance galvaudée. Ah non, ça sent livre extraordinaire. Le rentrer la dernière, donc c'était son chance vraiment galvaudée. Dans au gré de la mémoire, Gary Conny, il parle des passages d'un météore au gré de la mémoire. Roger Lafontaine ou la destinée tragique d'un fauve politique. Ah oui. Et puis, au gré de la mémoire, Henri Nanfi ou le rhum amer de la bamboche démocratique. Ah non, monsieur, écrit, bah, sérieux. Et puis, il y a fond. Et les Wapeli, Ronnie Gilles. Donc, l'été font l'autre coup de plume encore au gré de la mémoire. Les Steve François Maniga ou les infortunes du risque calculé. Et puis, ils font coup de plume tout. Et pour Jocelyne Privé, ou les conjonctions mystérieuses de la destinée au gré de la mémoire encore par l'écrit Jovenel Moïse ou la chronique d'une chute toujours imminente au gré de la mémoire Prosper Avril ou l'ambition fracassée au gré de la mémoire encore Yuri la tortue et Joseph Lambert il parle sérieusement donc tout le monde et faut que nous dit que et livre docteur Ronnie Gilles il a prêté dans mémoire tout le monde par exemple les frénésies de l'adolescence donc un geste trempé de larmes tome 3 la verge des reins ah non nous c'est la jeunesse étudiantine haïtienne si nous pas de compte docteur Ronnie Gilles à le consulter à le garder ça écrit dans livre Léo et surtout Jean-Li adapté avec le duvalierisme guerrier Lidou c'est un duvalieriste mais pas un fanatique malade pour Jean on pile monde à pas agit en comme monde fou avec tête reposée donc docteur Ronnie Gilles son bibliothèque qui quitte une qui prend devant bon tellement docteur Ronnie Gilles gain inspiration rapide guerrier j'ai l'impression si docteur Ronnie Gilles te vle chaque deux jours te ca écrire un livre chaque deux jours te ca mettre un livre et sous ma chia parce que son garçon total ont intellectuel vraiment et donc des belles et qui quittent qui prend devant courage avec toute famille proche docteur Ronnie Gilles et gain sénateur de Racimon Dieu seul avec madame Nick qui vous un gros coup de chapeau et pour voyant garçon ça le représenter ça le fait œuvre Lio et puis Jude Célestin quoi c'était neveu docteur Gilles là matin donc nous pour nous pas joindre et des fois que nous dit que dans écrit docteur Ronnie Gilles dans au gré de la mémoire là guerrier faut que monde qui fait politique dans pays a jodi a connaît que ou pas qu'à prendre politique comme d'assoman politique sont science liée et tout on pas fait mise en application science ça n'a toujours gain résultat n'a gain là n'a toujours voyé et Delbret parce que dans un combat politique il faut avoir trois choses un la conviction politique deux l'idéologie politique trois le sentiment pour la patrie c'est trois ingrédients indispensables qu'a privé sincériser politique là dans le pays d'Haïti c'est ça nous relie la conviction politique l'idéologie politique et le sentiment pour le bien-être de la patrie c'est ça qui caractérise un vrai politicien on a rappelé au docteur Ronnie Gilles c'est un proche sénateur Joseph Lambert qui d'ailleurs était à l'OL hier l'hôpital Saint-Luc selon ça nous apprend docteur Ronnie Gilles qui était gagné 80 l'année il est passé environ 9 jours l'hôpital oui et il était testé positif COVID-19 d'après yon source nous capable faire confiance donc docteur Ronnie Gilles qui quittait nous hier nous rappeler il était gagné 80 l'année sous tête li et nous gagne difficulté pour nous joindre Jude Célestin pas joindre Jude Célestin nous t'essayer parler avec président Privert qui connaît Jude Célestin très bien oui, le rapport travail Docteur Gilles oui. Et oui samedi vous dit Jude Célestin oui Jude alors Privert qui était connaît docteur Ronnie Gilles très bien mais il y a un ami personnel docteur Gilles qui c'est notaire Charlotin qui avec nous qui voulait alimenter témoignage ça et présentation nous tape et c'est fait de docteur Ronnie Gilles notaire Charlotin bonjour. Oui, notaire. Oui. Maître Charlotin. Oui. Oui, il est là. Mm-hmm. Mm-hmm.
Docteur Gilo, c'était un ami personnel, c'est un ami d'enfance? Non, c'est pas d'enfance, parce que le Dr. Gilo, lui, il a pris à Grand Gosier en 1951. Moi-même, je me suis pris en Côte de Fer en 1962. C'est-à-dire que pas contemplé du tout, mais l'invité Dr. Gilo. Son appareil étouffé, est-ce que est sous casque est vérifié pour nous en doigt blanc et ou sous casque attendez nous si est sous casque faut retirer casque là parce que vous avez un endroit qui très très profond son appareil étouffé. Ah bah écoutez. Coupez appel là, on refait l'hivernel. Oui, nous pourrons essayer de refaire appel là avec Maître Charlotin, qui te connaît très bien, Docteur Rony Gilo. Nous avons cherché leur témoignage pour compléter la présentation. Nous fait de gros potoriques, garçon ça, qui allait quitter nous hier mercredi. Il mourait dans l'hôpital Saint-Luc, dans la commune Tabar, ancien député, ancien ministre, ancien secrétaire général Sénat République là, Rony Gilo, c'est petite section communale Baudary, commune Gand-Rosier dans le département sud-est pays. Maître Charlotin, nous rejoignons. Vous avez partagé avec nous souvenirs ou gagné de Dr. Gilo et comme ça, aider nous comprendre qui mon pays a perdu là. Docteur, nous connaissons le docteur Wendy à partir de Saint-Adolin. Il ne faut pas être content pour lui parce que le docteur Wendy, il a dit là, le docteur Wendy, moi-même, faute de faire, dans une section 4, en 1962, en 1762. Malheureusement, communication pas arrivée, passée, et là, nous avons raté une occasion en plus pour nous présenter Rony Gilo, compléter l'information nous gagnons qui est disponible sous Potoric Garçon Sa, qui était tout médecin, chirurgien, politologue, il était ancien député commune Gand-Rosier, Tiotak, en Sapit, Souti, l'année 1973, arrivé 1986, ancien ministre information et coordination, Souti, 1978, arrivé 1979, ancien secrétaire général adjoint Palais National sous présidence Jocelyn Privert. Et pendant toute semaine, nous avons gagné pour nous venir à l'autre témoignage, l'autre information sous Rony Gilo, docteur qui mourit hier, mercredi 6 octobre, dans l'hôpital Saint-Luc, dans la commune Tabar. Bosse. Oui. Eh bien, on a avancé avec actualité dans la cour pays d'Haïti, actualité qui dominait sérieusement par question insécurité. C'est lui qui toile de fond, dialogue tout le monde dans la société, qui a questionné tête, qui le définitivement, autorité a arrivé porter une solution avec question insécurité. Ça, c'est insécurité ça qui fait tout le monde trouver une situation compliquée pour capable prendre la rue en allant activité, ouvert business, tout business pour tout presque. Qui fait main, tout le monde a pas cherché un secours à l'échelle internationale et qu'elle est là, un pile monde a fait investissement en terre voisine en République Dominicaine. Mais autorité a toujours dit qu'il y a une solution et population a toujours apparitant que les solutions ça a privé définitivement pour capable de mettre toute bagaille sous contrôle pour petit pays capable de vivre dans toute quiétude d'esprit parce que peur là devine généraliser aujourd'hui. Dans pays, oui, peur la généraliser dans le pays, et c'est facile pour faire observation. Depuis le 4 de l'après-midi, dernier monde nous rencontrer dans la rue, croisé des volants machines, c'est deux monde qui a couru rentrer la caillou pour pas jamais sortir sauf pour urgence. Et après le sortir le lendemain, la vie, la nuit pas existé, la vie, la nuit disparaître dans Port-au-Prince. C'est un souvenir. Peut-être nous a bien là pour nous partager. Appétit nous, là nous te qu'on sorti
pour aller dans l'activité le soir. Donc ça fait longtemps nous perdu réalité ça dans Port-au-Prince et phénomène kidnapping dans vine augmenté peur ça et réduit net ou on va dire diminuer activité la nuit. Nous t'a parlé de kidnapping jusqu'à matin nous qu'a dit pasteur l'église Jesus Center là est toujours dans main et bandio et qui continue à exiger 8 millions de dollars sans router ni mettre pour capable libérer pasteur et de l'autre monde qui avec lui. Donc 8 millions de dollars c'est seulement pour pasteur et depuis quelques temps là nous remarquons bandio c'est en millions yo parler millions 2 millions 3 millions 4 millions qui côté l'agent ça a passé le regarder configuration zone côté monsieur contrôler est-ce que l'agent ça c'est l'alrété donc ça vient faire mon a poser question sur réseau bien monté ça réseau kidnapping là qui très rentable pour monde qui fait partie de lui et qui continue à appauvrir famille haïtienne d'un côté chaque jour n'a pas assisté au cas de kidnapping même t'a dit ça c'est matin c'est comme si depuis deux derniers jours n'ont pas trop tendé de cas de kidnapping et qu'on présence la police qui dans la rue donc est-ce que ça t'a gain pour avec diminution ça yo dans cas de kidnapping qui enregistré donc n'ont pas connaît pourquoi il est là. Eh bien, n'ap suiv toujours, mais il y a un peu de pression qui fait sous moun yo kidnappé ou yo pas quitter proche yo à la radio. Donc, c'est cas et un peu de monde nous connaît. Donc, qui dit nous fait un peu de pression sur yo pour pas quitter famille yo à la radio. Donc, est-ce que c'est initiative ou signalé là qui commence par résultat ou bien moun yo rete dans silencieux? Donc, n'a pas cherché qu'on est et pour nous capables de porter plus d'informations pour les amis auditeurs. L'autre point d'actualité, Guerrero. Oui, ben moi seulement pour tes précisions, ça concernant la mort de Dr. Ronnie Gilloan. Donc, selon un proche, il a parlé de petite li Calerbe Saint-Paul qui confirme que Dr. Ronnie Gilloan te prend vaccin contre COVID-19. Là. Donc, selon lui, il a un doute sur est-ce que c'est à COVID qui tue li effectivement puisqu'elle a des complications dans le niveau santé li mais li dit non c'est plutôt de l'autre complication une légèreté tout petit qui t'a la cause docteur Ronnie Gilloan à l'équiter nous li dit nous pour remercier pour lui docteur Guillaume docteur Eugène Roy docteur Bontemps parce qu'il est même pas mais je peux le parler et li dit c'est également pareil pour Jude Célestin donc qui est beaucoup capable en force pour parler à Canon et lui dit nous que docteur Ronnie Gilloan a plusieurs petites et parmi eux Fabrina Gilloan qui c'est fille unique hein et selon ça lui dit non t'es gagné tout Thierry Rabel qui est actuellement en Afrique et les mêmes Caleb Saint-Paul plus plusieurs l'autre petite docteur Ronnie Gilloan mouri quitté donc Caleb qui est pas gagné courage pour parler avec nous matin et lui dit non papa mouri dans l'hôpital Saint-Luc puisque pas de temps.